Salut à tous et bienvenue sur Parle Eurovision. Aujourd'hui, on va parler de la chanson qui va représenter la Lituanie cette année. ...2018 marque la 19e participation de la Lituanie à l'Eurovision depuis 1994. Son meilleur résultat est une 6e place avec le formidable We Are The Winners en 2006. Et l'année dernière, malheureusement, la Lituanie ne s'est pas qualifiée pour la finale. Ieva Zasimauskaitė, j'espère que je l'ai bien dit, est âgée de 24 ans. Elle a terminé deuxième de la saison 2012 de The Voice Lituanie. Elle a ensuite tenté de représenter son pays à l'Eurovision 4 fois quand même, avant donc d'y parvenir cette année. Alors dans la chanson qui s'appelle When We're Old, on est vraiment sur du classique. Hein, voilà, une ballade très lente et dont les paroles évoquent finalement simplement une histoire d'amour. Je vous l'ai dit, c'est vraiment du très classique. Alors qu'une chanson un petit peu similaire comme celle de l'Islande par exemple ne me fait alors mais absolument rien, ici je dois dire que c'est un tout petit peu plus intéressant, c'est plus doux, c'est tout mignon, voilà, on sent que c'est tout mimi ce qu'elle nous raconte. Après ça reste très inoffensif hein, bien sûr, pas sûr que ce soit vraiment adapté pour un concours de chansons, mais ça reste voilà, quelque chose qui s'écoute. Alors la qualification en finale va s'annoncer très compliquée pour la Lituanie, je m'explique. Depuis que j'ai commencé ces vidéos de preview, on a eu maintenant l'ordre de passage des demi-finales, donc on sait à quelle place va passer chaque chanson. Et la Lituanie, elle est placée entre la République tchèque et Israël, c'est-à-dire deux des trois favoris. Donc autant dire que ça va être plutôt compliqué pour elle, et évidemment pour la victoire, là par contre, il n'y a pas de chance malheureusement pour la Lituanie. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle preview, merci de l'avoir suivie, j'espère qu'elle vous a plu comme toujours bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous avec votre avis sur la chanson de la Lituanie, n'hésitez pas également bien sûr à vous abonner à la chaîne bien entendu, et évidemment, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympa, et partager bien sûr la vidéo un maximum, on se retrouve très vite, à la prochaine, ciao!